Alors, mesdames et messieurs, chers camarades et tous les abonnés, n'est-ce pas, sur Martiné Officiel, bonsoir ou bonjour où vous soyez et une fois de plus, bienvenue sur mon canal. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la logistique. Vous avez certainement bien compris parler de la logistique. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, nous allons commencer aujourd'hui à décrypter systématiquement le concept de la logistique. Donc, à l'aide de l'internationalisation et de la globalisation, où le monde est devenu, n'est-ce pas, comme un véritable village planétaire, mais surtout avec la libéralisation complète du commerce international, la logistique est devenue un facteur prépondérant, primordial et très essentiel ou important pour le secteur de l'économie. Et c'est pourquoi j'ai choisi de pouvoir décrypter, n'est-ce pas, ce concept et de voir la place de l'Afrique, n'est-ce pas, dans les 50 et les 100 prochaines années. Alors abonnez-vous dès aujourd'hui et nous allons voir sous forme de chapitre comment on pourra faire, n'est-ce pas, pour décrypter complètement ces concepts de la logistique. Pour ce faire, et nous allons parler de la genèse de la logistique, de la démarcation conceptionnelle même de la logistique. Nous allons parler de l'historique, du développement historique de la logistique, la signification même déjà de la logistique dans le contexte actuel du commerce et de l'économie internationale. Nous allons parler du but de la logistique, du management même, du stockage, du management de l'entreposage en logistique. Nous allons toucher toutes les fonctions de la logistique, c'est-à-dire le transport dans la logistique, la distribution dans la logistique. Nous allons également parler au fil, n'est-ce pas, du temps, de la planification du système de production. Nous allons parler de la manutention, du tri, de l'emballage, de la préparation des commandes. Nous allons voir les concepts de disposition, n'est-ce pas, du matériel. Vous avez certainement déjà compris ou pas encore entendu parler de ABC analyse, de XYZ analyse ou bien même de la combinaison des deux. Nous allons parler de la planification de la production, comme j'ai dit, les décisions même donc les entreprises peuvent prendre lorsqu'il s'agit de la production. Il y a les make or buy decisions. Une entreprise essaie de voir au moment de la production si elle a complètement des moyens technologiques et techniques disposés pour la production ou bien si elle doit faire des partenariats avec un partenaire externe qui peut, n'est-ce pas, lui procurer certains modules ou certaines composantes pour, n'est-ce pas, l'assemblage de la production d'un appareil ou bien, n'est-ce pas, d'une voiture, etc. Donc nous allons voir tout ça, dégager la logistique, parler du supply chain, de tous les instruments, des méthodes et des concepts qui existent, le Kanban. Par exemple, le système de production japonais qui a révolutionné, n'est-ce pas, complètement la logistique, les processus d'optimisation même n'est-ce pas, des affaires dans l'entreprise. Nous allons voir tout ça, c'est ça la logistique. Donc, stay tuned et nous allons décrypter au fil du temps tout cela. Mais comme j'ai dit, la vidéo d'aujourd'hui porte essentiellement sur la genèse de la logistique. C'est quoi la logistique? Donc, pour ce faire, je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela 3 ans, je suis allé à Bruxelles, n'est-ce pas, en Belgique, à l'ambassade du Cameroun pour remplir certaines formalités. Et en passant, je suis passé dans la rue, j'ai rencontré un Sénégalais et nous étions dans la discussion. J'ai certainement demandé s'il connaissait ce que veut dire, ce que signifie, n'est-ce pas, le mot logistique. Il a dit qu'il ne connaissait pas, mais son papa était un ancien tirailleur qui a combattu, n'est-ce pas, pendant les guerres du côté des Français. Et il lui avait dit que lorsqu'il voit le mot logistique, il pensait tout simplement, n'est-ce pas, à l'approvisionnement de la troupe. Alors écoutez, si l'on s'arrête tout simplement là, on va comprendre que il a tout dit parce que l'origine de la logistique résidait dans le secteur militaire et s'est répandue à travers le monde, n'est-ce pas, au fur et à mesure. C'est un peu ça. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on va parler de la logistique quand il s'agit peut-être des troupes militaires, comme je vous ai dit, parce que c'est dans ça que réside, n'est-ce pas, l'origine de la logistique. Nous sommes ici dans les années 50 et 60. Oui. Donc, il s'agit là de... Il y a avec la guerre. Les troupes sont là en masse. Il faut les approvisionner. On ne sait pas comment on doit faire pour les approvisionner en denrées alimentaires et avec les moyens de déplacement. Alors, il y a le système, il y a le concept qui voit le jour, la logistique. Pour, n'est-ce pas, travailler un système pour pouvoir ensuite approvisionner, n'est-ce pas, les troupes militaires en denrées alimentaires et ensuite en moyens de déplacement, en moyens logistiques. Vous voyez un peu. C'est
dans ce contexte, quelle est la logistique? Ainsi, même aujourd'hui, dans la formation, n'est-ce pas, des troupes militaires, vous allez voir la troupe logistique, on parle même du commando logistique qui est là pour approvisionner, n'est-ce pas, la troupe avec les moyens de déplacement, avec les denrées alimentaires. Vous voyez un peu. Donc, l'origine de la logistique résidait dans le secteur, purement et simplement dans le secteur militaire. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, à l'hôpital, on va parler par exemple de la logistique de l'hôpital. Dans l'entreprise, on doit parler, n'est-ce pas, de la logistique de l'entreprise. Parce que chaque entreprise, on va parler du département de la logistique, si on peut dire ainsi, parce que chaque entreprise est constituée de plusieurs départements qui, n'est-ce pas, ont aussi, ou à l'intérieur desquels, il y a une multitude de fonctionnalités dont ces départements remplissent. Ou un peu. Bref, la grande partie de la littérature moderne s'occupe même déjà de la logistique et du concept logistique. Et c'est ainsi que ce mot logistique a évolué à travers le temps et a pris une vitesse exponentielle. Au départ, on ne parlait que des trois facteurs, à savoir l'achat, la production et la distribution. Mais aujourd'hui, on parle non plus seulement de ces trois facteurs, mais aussi du transport, du stockage, de l'entreposage, de la manutention, du tri, de l'emballage, de la distribution, de l'approvisionnement même et de l'approvisionnement même, je vais dire, et de la chaîne de valeur d'une entreprise et de plusieurs autres entreprises. Alors, maintenant, dès lors qu'on a dit cela, qu'est-ce que la logistique? Qu'est-ce que la logistique? Toi, mon fan qui m'écoute, ou toi qui es à côté, la logistique est un système qui se trouve au centre de la préoccupation de l'entreprise et du service. À cet effet, elle relie seulement, non seulement l'entreprise et les fournisseurs, mais aussi l'entreprise, la dite entreprise et ses clients pour enfin assurer la disposition du flux de matériel ou des marchandises, je vais dire comme ça, appropriées, disposées pour la production d'un appareil, d'une voiture, etc. Ce n'est pas ça. Outre la logistique également, peut être considérée comme la conception des systèmes logistiques à l'intérieur duquel s'effectue une multitude d'activités, d'où s'impose la nécessité de les coordonner. Autre chose, la logistique renferme ou regorge tous les secteurs ou les activités liées à la transformation du matériel qui servira, n'est-ce pas, à la production et s'occupe, c'est-à-dire la logistique, de la coordination de toutes ces activités et du contrôle de la planification de toutes ces activités. La logistique, je veux dire, en logistique, l'utilisation du système informatique pour la gestion du flux matériel est d'une importance capitale étant donné c'est-à-dire le système logistique, renferme des données et des informations qui favorisent relatives déjà au déplacement du matériel, au transport de ces produits, même son déplacement à l'intérieur de l'entreprise et favorise ainsi, je vais dire, la rapidité et la gestion, y compris la réduction, n'est-ce pas, de la complexité. C'est en quelque sorte ça la logistique. La logistique peut être considérée comme une science interdisciplinaire, comme une industrie ou bien même une organisation à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur d'une grande institution. Et est considérée, n'est-ce pas, comme la planification, la coordination, l'organisation, mais aussi et surtout l'optimisation du processus ou du système, du flux de matériel. N'est-ce pas? Ainsi, le matériel peut être, comme j'ai dit, ce flux de matériaux peut être... je vais parler ici du tri, de l'emballage, du transport, de la distribution, de l'entreposage, du management du stock, etc., etc. Et toutes les informations qui s'y rapportent. Vous comprenez que la logistique peut être également considérée comme une arme stratégique. Pourquoi considérée comme une arme stratégique? Parce que
Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'approvisionnement de la troupe, c'est-à-dire l'approvisionnement d'une troupe militaire en denrées alimentaires et en moyens logistiques. Le rôle et la signification même de la logistique, ou bien j'allais dire des avancées techniques et technologiques pour la logistique, a été très prépondérant. D'où même l'avènement ou l'établissement de la liaison hanséatique, pour ceux qui connaissent, au Moyen-Âge. Nous sommes ici au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le 12e et le 17e siècle, qui regorge presque 200 000 villes, autant que moi, parmi lesquelles les villes des pays, n'est-ce pas, de l'Europe du Nord. Il relie ainsi aussi avec l'Asie, complètement. On parle ici comme ça des grands projets tels que le canal de Suez, le canal de Panama, etc. Le développement des moyens de transport et l'assignation, n'est-ce pas, des contrats, notamment les contrats commerciaux entre les différents chefs de transaction. Aujourd'hui, il y a déjà la conception, n'est-ce pas, du plus grand bateau à conteneurs, le Oscar, hein, le bateau chinois, avec une capacité de presque 19 100 conteneurs. Si on parle, n'est-ce pas, des conteneurs à 20 pieds, ou bien la moitié des 19 100, si on parle des conteneurs, n'est-ce pas, à 40 pieds, ce qui révolutionne complètement la logistique. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on peut retenir maintenant de la logistique lorsqu'on a fini? On peut retenir ce que j'ai apprêté ici. Que la logistique, c'est un système, le système logistique. La logistique, c'est un processus, le processus logistique. La logistique également, c'est la planification, c'est la coordination, c'est le maniement, c'est le management du flux de matériel et des informations. Et enfin, l'exercice et l'objet de la logistique consistent dans l'approvisionnement, c'est-à-dire résider dans sa capacité à fournir ou à disposer le matériel, c'est-à-dire le bon produit, dans la bonne quantité, à la bonne qualité, au bon client, au bon endroit et au bon moment. Certaines complètent aussi avec la bonne information. C'est ce qu'on appelle en logistique les 7 B de la logistique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons vu la genèse de la logistique, le développement de la logistique. Je vous ai dit que la logistique s'est répandue à travers le monde à partir des années 50 et 60, c'est-à-dire quittant de l'Amérique, s'étend vers l'Europe, l'Asie et enfin l'Afrique. Maintenant, vous comprenez, vous savez déjà ce que c'est que la logistique. Le déplacement de quelque chose d'un point A à un point B, avec le flux d'informations qui s'y rapporte. Connectez-vous, collectez-vous, comme disait le canon. Ça ne coûte rien parfois, n'est-ce pas, de mettre un peu sur j'aime, de partager, mais surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine vidéo, nous allons parler des fonctions de la logistique. Je vous aime. Ciao, ciao.